Il s'est passé quelque chose hier soir? Je sais que je peux te faire confiance, que tu le garderas pour toi. Ta tante a encore fait une tentative de suicide la nuit dernière. C'est grave. Bien sûr, oui, c'est grave. Ça ne va pas du tout. J'arrive pas à les empêcher de l'attaquer. Et à chaque fois que je la purifie, ça fonctionne quelques semaines. Et puis ils attaquent à nouveau. Et tu vois, et je dois dire, ça devient de plus en plus fort. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas bon signe. C'est comme si... comme si elle était un aimant pour ses atrocités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Elle s'est scarifiée? Oh oui, mais c'était pas trop profond. Heureusement que je suis arrivé à temps. Dieu merci. Pourquoi tu boites alors? Oh, j'ai marché sur un morceau de verre, mais c'est rien. C'est pas grave, t'en fais pas, c'est rien. Oncle Jacob, tu t'es déjà demandé si on s'y prenait de la bonne manière? Tu ne t'es jamais dit qu'on devrait peut-être arrêter? Et si on était la raison pour laquelle tout ça arrive à tant de casse? Bien sûr que oui, j'y ai pensé, tu le sais bien. C'est vrai, est-ce que j'ai soigné sa maniaco-dépression ou est-ce que je l'ai purgé de ses démons? Est-ce que je leur ai servi ma femme sur un plateau? En fait, je n'en sais rien. Si je reste, est-ce que ça sera pire? Si je pars, est-ce qu'elle va mourir? Probablement. Tu vois, tu sais que c'est ma vocation, que c'est la volonté de Dieu. C'est ma mission, je dois l'accomplir coûte que coûte. Oui, mais à quel prix? Parce que toi et Tancas, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Oui, oui, je sais. Et les possessions empirent. Tu vois ce démon la nuit dernière. Eh bien, je dois dire que j'ai jamais rien vu de tel. Il était imposant et il était plus puissant que tous ceux que j'ai pu affronter auparavant. Et tu n'étais pas là pour m'aider. Et en plus, Saf a appelé hier pour me dire qu'on a encore un rendez-vous pour une purification cette semaine. Ça fait 4 en un mois. 2 cette semaine, dont tant de casse, c'est la première fois qu'on en a autant. Oui, oui, je sais, c'est une première et... Écoute, tu sais quoi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de mauvais se prépare. Un truc vraiment pas bon, un truc sinistre. Je le sens.